c'est la qualification pour la phase suivante de la compétition. Et c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes pour le Bayern. L'enjeu, c'est la qualification pour la phase suivante dans cette UEFA Ligue des Champions. Le Bayern Munich contre le Club Brugge. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se qualifier pour la phase suivante devant leur public. Si tout se passe bien, leur avenir dans cette compétition européenne est assuré. Sommer, Upamecano avec De Ligt en défense centrale. Leon Goretzka sera associé à Kimmich au milieu de terrain. Et enfin, ce duo en attaque. De cette équipe. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par le Bayern Munich. Jouant Cancelo à la réception. Oui, le tir et la bonne parade du gardien. Petite astuce, c'est joué court. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Le Bayern qui peut se projeter dans le camp adverse. Et peut-être une belle soirée à vivre, parce que si l'on en croit le classement, le billet pour la phase élimination directe pourrait bien être validé 10 aujourd'hui. Et oui, l'enjeu est important. Il faut aller... Oh, la frappe ! Ah, il s'est bien touché sur ce plongeon. Le corner de Kimmich. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Jamal Musiala reçoit le ballon. Bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. Oh, le bon plongeon! Kimmich, c'est parti. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Thomas Müller avec le ballon. Ballon pour Thomas Müller. Et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing. Ah, il lève bien la tête. L'arbitre indique le point de pénalty. Carton jaune mérité sur ce coup. Pénalty transformé, c'est très bien frappé.
but de Panenka, ça fait aussi partie du catalogue de pénalty. Il faut avoir une excellente technique, mais aussi un peu de malice pour oser le tirer. Allez, on va voir comment le club Bruges réagit après ce but encaissé. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. C'est un corner à venir donc. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Ah, le centre ne passe même pas le premier rideau. Et l'arbitre indique le corner. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Et but ! Et voilà le Bayern qui creuse l'écart. Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct. C'est bien vu. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Ça fait maintenant 2-0. Vanaken. Le club Bruges avec le ballon pour tenter quelque chose. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. La passe en profondeur était dangereuse, c'est intercepté. Les stades de possession penchent du côté du Bayern et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score. De l'espace pour le club Bruges sur le côté. Et ça part au deuxième poteau. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Attention, la belle détente de Sommer. C'est bien parti pour ce corner. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et Sommer qui stoppe tranquillement ce ballon. Ah non, la mauvaise passe. Ce ballon est perdu. Mais quel mauvais tacle. C'est incroyable, c'est dangereux. Et l'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Et l'arbitre qui met la main à la poche et sort le carton rouge. C'est une faute grossière dans une zone dangereuse. L'intelligence situationnelle doit prévaloir. Parce que maintenant, c'est toute son équipe qui se retrouve en difficulté. Ah, c'est pas bien tiré, ça va droit dans le mur. Leon Goretzka. Et l'équipe reprend la possession. Oh, il a bonne prise de balle. Et oui, voilà ce but. C'est la preuve que tout n'est pas fini. C'est la preuve que tout est encore possible. On revoit cette passe dangereuse pour la défense adverse. C'est une passe millimétrée à la limite du hors-jeu. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ça y est, le jeu reprend et le club Bruges a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Jamal Musiala. Ah non, la Musiala qui perd le ballon. C'est bientôt la mi-temps dans cette rencontre et ça sera l'occasion. L'écart. C'est bien joué ça! Et oui, le but!
retour, ils étaient malmenés. Deux buts en quelques minutes, c'est fantastique. Grâce à leur mental, ils reviennent à égalité. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ouais, cette équipe l'a fait, elle n'a jamais renoncé, elle est revenue au score. C'est un autre match qui commence maintenant. Et le ballon change de propriétaire. Faute, mais ça joue. Ballon pour le Bayern. Le temps additionnel, 2 minutes minimum, encore à jouer. Ah, c'est le moment de prendre l'avantage. Et oui, le but, on a l'impression de jouer à 10, n'est même plus un problème. Exceptionnel. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sortir le but. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Le début de la seconde période avec Bruges qui est mené d'un but. Le club Bruges a du champ sur le côté. Ballon pour égaliser. Parade hallucinante à bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Ah, il a bien frappé ce corner. Quelle action splendide! Elle partait très bien cette tête! Il fallait aller la chercher celle-là! Quelle magnifique parade! Un ballon bien stoppé sur cette action. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Un bon ballon là, donné dans l'espace. Et oui, le nouveau but, pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà à égalité, tout est à refaire. Regardez, l'option de passer était ouverte. Il n'a absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passe, mais on se mélange les crayons. La fin de ce match est imprévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Eh, bien donné ce ballon. Ouais, l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. C'est un ballon qui est récupéré. À suivre prochainement l'événement, ça sera ce match de Ligue des Champions, le Bayern Munich à Villarreal. Et oui, c'est toujours dans les matchs de coupe que l'effort est poussé par l'illusion. Ça donne souvent des belles surprises. Noah Lang avec la balle. Oh, il y a encore le feu. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé.
Un changement à venir pour le Bayern Munich. Les trois joueurs qui s'échauffaient vont donc faire leur entrée en jeu. Oui, c'est bien fait ça, touche à suivre. Et c'est intercepté, ballon perdu par le Bayern. Le centre vers la surface de réparation. Et oui, le but, splendide, ça y est, le hat-trick c'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion, un ballon qu'il va emporter chez lui. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Incroyable, on en est maintenant à 4 buts à 3. Joan Cancelo. Ballon pour João Cancelo. Kimmich. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Les stats le confirment, la possession n'est pas pour l'équipe visiteuse, mais la possession ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans savoir le ballon, le score est à leur avantage, grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle au pied. Et oui, et peut-être une nouvelle offensive intéressante là. C'est dégagé sur ce centre. Roman. Ouais, bonne intervention. Ah, il s'empare du ballon. Et c'est encore dangereux. Oui, joli réflexe. Le corner. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et peut-être un bon contre à négocier là. Bien parti dans le dos. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Ballon pour retrouver la possession. La frappe, c'est bien tenté. Quel arrêt! Oui, plus beaucoup de temps, mais encore le droit d'espérer une victoire. Ah, le corner, bien tiré. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais il n'y est pas. Donc, c'est raté. Leon Goretzka. Le ballon pour Blind. Mané. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. A toujours ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5 dernières minutes. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et une occasion de contre à négocier. Et bien vu, la passe en profondeur. Ouais, c'est bien vu dans le dos de défenseur. Aïe aïe aïe, rien de positif finalement là-dessus. Et sur l'aile, là c'est le club Bruges qui peut avancer. Et bien fait, attention à l'occasion. Bonne prise de balle sur cette action. Trois minutes en plus, annonce l'arbitre. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Ah,
Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et la balle de match là. Quelle énorme occasion, mais pas de but. Toujours ce petit but d'avance. C'est inimaginable de manquer son genre d'opportunité. Le coup de sifflet final de l'arbitre, on en reste là. Donc, on reste sur cette défaite du Bayern Munich. On a senti une équipe un peu trop sage, un peu trop tiède dans sa manière de connecter entre les lignes. Et la qualité individuelle n'a pas suffi à compenser.